Ce programme vous est offert par Bavaria. Les amis fidèles téléspectateurs de cette émission, bienvenue à ce énième numéro de votre Cuisine One, une émission au cours de laquelle vous apprenez les différentes recettes africaines, bien évidemment. Et quand on parle de l'Afrique, on voit la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, rempli, en tout cas rempli de recettes. Alors vous le savez, Cuisine One vous donne la diversité. Ici, nous parlons cuisine. Mais nous diversifions quand même les différentes cuisines des provinces de la RDC. Alors pour aujourd'hui, je me fais quand même le devoir. Non, je ne vais pas me faire ce devoir. Je vais laisser la place au chef Aristide ce que nous allons déguster aujourd'hui. Chef Aristide, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, maman Deboa Ngwala. Chef Aristide Bonio. Ouais, ça va très bien, Ngwala. Nzambe Bongoyo. Nzambe Zobate là. Cuisine One Peso Matamata. Nous avons le feedback. Et oui. En tout cas, merci à ceux qui nous suivent, merci à ceux qui nous écrivent. Merci. Chef Aristide, pour aujourd'hui, Romélie Bissoni. Alors, j'en profite aussi de dire bonjour à tous les aimables et téléspectateurs, de partout où vous nous suivez. Mmh. Et alors, comment je peux dire joyeux Noël déjà, parce que. Heureusement, meilleurs vœux à tous téléspectateurs de Cuisine One. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite recette. Africaine, congolaise. Okay. Alors, c'est une recette de ma grand-mère. Elle aime ça beaucoup. Je la salue de là où elle est. Okay. Maman Marie Wazinga. Merzen. Je la salue là où elle est. Ma grand-mère, elle m'aime beaucoup. Elle m'a beaucoup soutenue. En tout cas, elle aime bien ce que moi je fais. Okay. Elle me disait toujours Blair, tu as gombé, bah cuisiner, la vie doit aller, en tout cas. Et ça, là, qui est bien ce qui. Kokonae, à côté de ma cambaon. Et puis, à ce qui évolue bien. Alors, les lots, nous avons présenté une recette aux grandes mères à proposer à Kingaï. Tozolamba bitoto. Bitoto. Bitoto, pour ceux qui ne savent peut-être pas, expliquez-moi les bitoto, c'est quoi. Alors, pour ceux qui ne savent pas les bitoto, ils ont un mélange. Il y a ma kemba la biso. En tout cas, base dans la mouamba. Donc, ma kemba, ma kasi, il y a mon besou, je peux dire. Ils ont la mûreté. Il y a mon besou, na mouamba la biso, na bis la biso, il y a coca au cadeau. Donc, l'issanga la nyon, ce n'est pas bien en mouamba. Mouamba. N'est pas bien en pardon, bitoto. Ok. Bitoto nous ramène déjà, je vois, dans le Congo central. Voilà, exactement. Précisément chez les Yombe. C'est ma Yombe. Ok. Donc, grand-mère Azam Yombe. Elle est mouma, moussingo. Ok. D'accord. Bango na bango kaka bana ya Congo central. Quand on voit déjà banane, mwamba, tu as déjà ba vertu, il y a arachide dans d'autres amoutou. Au sangisi ngo siko na obina musoni ndeto. Tu tcha ngo na mbisa kokauka. Mbisa okauka. En tout cas, ça se mange, ça se prépare souvent comme ça. Kana mbisi. Na mbisi kana poisson fumé. Okay. Mais ça dépend de vous, Mme Deboa. Neti yo pe bo ki ko zo ngo po tcha ngo pe mangombe na yo. C'est ça. En fait, c'est ce que j'allais demander. Kana mbisi te mais oui pe ko tcha mon musu de musu. Ça dépend de yo. Tout le corps beaucoup ça ngo pe il y a pas makabo musu musu. Ok. Donc voilà. Ils appellent ça bitoto. Ils appellent ça musuni, mais ils ont l'appellent ça bitoto. Bitoto. Ok, chef Aristide. Musuni, ils ont l'appellent ça accompagnement, à toi accompagner à mon enquête. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour ces explications. Voilà. Et Misabiso, comme d'habitude, nous avons des légumes qui accompagnent la réalisation de notre recette. Alors pour aujourd'hui, Torosa en a besoin, il y a Nini précisément. Alors pour aujourd'hui, Torosa en a besoin, il y a tomate, Nabiso et Mouma. Ok. Torosa en a besoin, il y a poivron, Nabiso, comme d'habitude. Ouais. Torosa en a besoin, il y a Nembi, Nabiso. Torosa en a besoin, il y a Tungulu. Torosa en a besoin, il y a Aïe, Nabiso, Namouskade. Alors Torosa en a besoin, il y a sel. Torosa en a besoin, il y a huile, Nabiso. Torosa en a besoin, il y a pas d'arachide, Nabiso.
D'accord. Ouais. Alors, trêve des bavardages quand même, on peut commencer. C'est ça. On peut commencer, on commence par quoi? Alors, nous allons commencer par la banane. Ok. Makemba na biso. Déjà, Natia qui déjà moi maï mouke na moto, et zotoka. Alors, nazo za makemba na biso, tu peux m'aider s'il vous plaît. Ok. Nazo za banane na biso. Ya mbeso penza. Ils ont vraiment ya mbeso, ils ont telaté. Il y a ma kaswana. Nazo balusa yango na kati ya nzungu na biso. Et après, nazo ki ne kopanza yango. Très bien, na rangé yango très très bien. Alors, na sokoli banane na nga très bien. Na épluché yango, na kati yango, na division par deux de peur que ebela vraiment bien. Vu que zé mou bésu sou dou ti quand yango kangama au mona na kati yango bela te. Non, et kati lipé et ezala na kati il moko précis to to kata na to kapo mou bakata en rondelle. Na moni o ti mo ba triangle wana. C'est un triangle. Alors, ozu ma banane na yo, o ti yango au épluché yango si je peux dire. O longoli yango ba pou. Ouais. Donc c'est le fait de éplucher déjà parce que o longo déjà poso ti gagne mousou. Alors, aux yeux en haut, au 4 en haut, au divisant par D, par D, au fond, au lien, à quoi on dit au 4, ok, d'accord. Donc, voilà. Alors, ça va nous permettre, vu que Eza m'a cassé, ça va nous permettre que notre de ce côté est bien, bien okay. Et puis de l'autre côté, est bien, très bien. D'accord, merci alors, beaucoup. Alors, nazu yango en haut de Jeanatier, nazu qui est de cause à Balégui Mabiso, nazu ma tournou Mabiso, nazu ma tournou, qui est juste ma tournou Mabiso Nambo. Voilà. Alors, nazo zoape poivron abisso ndambo nazo tcha. Fidèle ami téléspectateur, je vous promets que vous allez passer des moments de pur bonheur. Et sangiseli chef Aristide Azo sala oyo. Ça me renvoie à ma cuisine à moi aussi, mais je ne peux pas me permettre ici. D'accord. Alors, nazo bak sa tomate nabisso ya mbuma. Yebala mari kana tomate mbuma. OK. Tomate mbuma nabisso za la ba vertu vraiment ébélé. Et puis, il y a un jus qui est vraiment important. D'accord. Alors, la petite tomate du son de moi. Nazo, qui est déposé un bis de la bise. En tout cas, je crois que ce n'est pas un repas difficile. Hein. Donc, ça, c'est ça, facile. Ça, c'est facile. Déjà. Alors, il faudrait quand même avoir un mignon, c'est ça déjà prêt. Et ça, là, après. Et puis après, le mélange va se faire. Alors, nazo, un bis de la bise. Nazo, un bis de la bise. Alors, dans la quantité, il y a des dégustateurs dans le bisou et puis une équipe technique et tout. Comme toujours. Ah, comme toujours. Alors, Nazo, merci beaucoup. Nazo qui nous râpe muscade dans le bisou. Nazo râpe muscade. Voilà. Nazo râpe muscade dans le bisou pour que eux relèvent le goût. La carte, il y a du loup dans le bisou. Oui. Et bon, maman. Zenke, Yambis. Yambis la biso, na sokola qui est très bien, na tchaki na otiet comme d'habitude, na toki sima ina ngai, ya moto, après na yeko zoyango, na zumbis la biso, na tchina kati, après na fongoli, bis na biso, na sokoli est très bien, na longoli ba mikuwa, na tika misuni, na sokoli est vraiment très très bien. Okay. Alors, na zoke ndeko bakisa mai mouke. Malgré ma eau, Chaki, Baki Susumo Mouké. Baki Susumo Mouké, au Pesa, au Tiède, Maya Moto. Donc, il faut qu'à moi, Maya moi, Moto. Hein? Voilà. Maya Malivité. Non, non, bon, Maya Moto, ils ont bien parce que nous avons facilité. Bouéblo, on a un coup de la Noki. Okay. Mais de peur que ceux qui ont eu outils, ils sont dans ma Livité, Chauffaka. Ok, ça prend quand même du temps. Ça prend quand même du temps parce que la cuisine, c'est du temps. Alors, nous gagnons le temps grâce à ça. Alors, Nayeba et Loko Omtala qui sont en haut, ils ont. Maman Godé Movaro, elle m'a rappelé au bien, grâce à elle vraiment, à apprendre à Eloko. Il y a moto. Bien Aristide, à chaque fois, quand tu es dans ta cuisine, tu as l'habitude de réserver un maï, aux yeux attendent un moment à maï, un sauce de la manière chaude. Alors, on a directement, on a expliqué Binopé. Moi, expérience au Mbappé, ça n'est pas maman. Il y a moto, je la salue, Pessi Kazali, maman Godé Movaro. Voilà. Alors, Aza maman quoi est dans ma conseil, elle aime beaucoup ce que je fais, elle m'encourage beaucoup. Ata sur Aza ma poto na ya benganga et puis elle suit aussi cette émission cuisine noire. Alors Aza l'un à grand téléspectateur na biso, ata la biso na cuisine noire. OK. Et puis elle m'appelle voilà, je regarde l'émission félicitations, ceci c'est là donc voilà. OK maman Lobaki Maya Moto. Faudrait toujours avoir une casserole de l'eau bouillie pour là. À chaque fois que Rwanda ko bâtit ça, au lieu que ça m'aille outil dans le robinet, ça va te prendre du temps. Voilà. Tu utilises de l'eau
Bouillie déjà. Bouillie déjà. Donc, net nez dans la deux réchauds, bouillie dans le fond. Ah, déjà, moi, il y a des autres canons. Une fois, on a besoin de faire ça. On a besoin de faire ça. Vous allez voir que non, ça ne prend pas du temps. Au bureau, on a des écoles, mais la thé dans la cuisine directement. Et bien, il y a des écoles. Ok, on a râpé, je crois, plus ou moins 5 gousses d'ail. 5 gousses d'ail. Parce que nous, on a un ail, awa, isa et bélé. Alors, on a un peu de temps, on a un peu pour que nous tenions ensemble, mais là, vu que les gens qui sont en train de tout tâter, nous avons un peu râpé. Râpé, amour. D'accord. Donc, voilà. Alors, je suis là, je suis là, je suis là, surtout. Qu'est-ce que je fais maintenant, chers téléspectateurs? Je suis là, je suis là, seul, je suis là, juste un peu. Je suis là, juste pincé à sel. Je suis là, juste pincé. Alors, je suis là, je suis là, huile là, je suis là. Ok, où il est si on est en dernière position? En dernière position. Ok. Nous avons une quantité de caca. 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 Mais normalement, il faudrait toujours avoir moins mesurette. Tu vois, hein? Normalement, mesurette, nous avons une quantité de caca. Nous avons une quantité de caca. Nous avons une quantité de caca. Nous avons une coca, oui. Mais dans l'Italie, nous avons une quantité de caca. Nous avons une quantité de caca. Donc c'est ça. On a alors, confiance au moi, chef. Moi, j'aime pas mentir aux fidèles téléspectateurs. J'aime dire les trucs qui est vrai. Ouais, ouais. Donc voilà. Alors, nazo fini kayango. Natie makemba na biso na se, natie ba légumes na likolo, bis na biso likolo. Déjà bis na biso, il les met en mode déjà très bien na main na biso. Alors, eux ça juste ma complémentation, de peur que bloc on en ait là. Vous vous sentir déjà pimwe ba ndeya komi. Yango, j'ai dit aux amis, vous allez passer de moments exceptionnels ici. Alors, maman Déborah, nous avons fini le tableau qu'on a mis. Nous avons cahier pendant 6 minutes. Parce que nous avons mis la réchauffe gaz. D'accord. Après 6 minutes, nous avons mis la réchauffe gaz. Parce que les gens ont mis la canne à vapeur. Et après, nous avons mis la canne à vapeur. Moi, je suis en soupe. Ok. Alors, tout le monde a dit pourquoi nous avons mis la canne à vapeur. Pourquoi, chef, vous avez mis la canne à vapeur pour l'année? Alors, nous avons mis la canne à vapeur. Pourquoi? Parce que nous avons mis la canne à vapeur. Ce qui est un il y a des appâts d'arachide. Il y a juste 500 francs. Na y a un mélange na maï kaka ya pompe. Il y a pompe, il y a ma lili, il y a un kaka mélange na ni na biso kaka ya pamba. Et après, il y a un jeune. Alors, on a un sima. Pourquoi? Parce que ce qui est un siko a un zika. Ok. À Kokangama, le père, où les autres sont, moi, je suis au Kangama. Alors, ceux qui sont constants dans la recette, ils sont entre autres, ils sont fous. Au moins, ceux qui sont déjà au Tchèque, déjà au Bano, ils sont au moins, ils sont au Fumbo. Ils sont au Fumbo. Alors, c'est pour cela que tu as un Fumbo dans les pistes. Et Toki, et puis après, tu as un Soukande, tu as un Mwamba. Alors, nous sommes au Monaka, à Tchèque, et puis à Tchèque, à Mwamba, ils sont au Finamo. Et bien, dit que après la souk en dehors, ça n'est ni à manger au final. Finalement, ok, on comprend. Alors, il y a un morning en actif qui n'a pas mal à la musée à la pantiwana. N'a pas de pièce la bisso et les bas n'a plus la bisso ni écosanguin non et béli ça. Bah, les guimes la bisso bien parce que les guimes la bisso bébé la rana cosso et l'air net au calinga kayangoana et on est ça à carré non et béla. D'accord, chef. Ok, chef, arrête de dormir 6 minutes. 6 minutes. 6 minutes top chrono. Et puis, on va vous donner la suite. Voilà, chef Aristide, je crois que nous avons épuisé les 6 minutes au Tolobaki. Exactement. Ok, maintenant là, est-ce qu'on peut voir? Ouais. Voilà, je crois que 6 minutes, c'est là qui est nécessaire. Vous avez nécessaire parce qu'on a moins de makimbe changé la couleur. Voilà, makimbe changé la couleur, les mines un peu déjà. Et puis, les légumes n'ont pas sopé et les mines déjà. Alors, pour les qui n'ont pas deuxième étape, nous avons qui ça. Mwamba. Mwamba n'a pas sopé. Alors, Mwamba n'a pas sopé, on a scellé vraiment kiloté. On a scellé vraiment le roi, le roi Maya Lobo. Donc, Aza vraiment maï maï, Aza n'a pas kiloté, voilà, mais n'a pas juste la pose ça, moi, je suis sur les Aza, les morts, la souka. Donc voilà. Il y a un peu ça, c'est quoi sens, Nabito? Il y a un peu ça, sens, Nabito. Alors, Awa, tous les gens qui sont juste moi, je suis sur. Alors, ceux qui vous constatez bien, vous allez voir que la tchaki maï quantité normale, parce que les becs, non, moi, je suis sur. Azana
mai et bien na kati. Awa skoto zo beli sa kaka juste mwamba. Alors vous allez vous poser des questions à la maison. Aristide, na mungo na mukyo chaki. Est-ce que vous êtes sûr que eko ko kanande ngotie mwamba? Mwamba na mai surtout. Pourquoi? Parce que maman Deborah, mwamba na biso leba kangi rangu ba. Bachaka mungo. OK. Alors ngamo pele na somba ki on a mekati mwamba na biso, ezaki vraiment na mungo mort eleka. Alors je me suis dit ce qui na tie ici ce mungo awa et oleka. Ça sera la cata. Ça sera la cata parce que les dégustateurs bah sera place et bah les spectateurs na biso. Ouais. Donc voilà, awa ni tozo. Moi sur la salade qui soit sur la kilo. Ngo mona ka na tie bosse ini. Et kangami wewe. Parce que moi parce que la salade est vraiment etoka. Etoka mwamba abila vraiment très bien. D'accord. Alors awa les obéis sont juste moi, mais les obéis profitent de tout ça exactement. Les parce que tout ça regarde toujours. Na souka pour na ko garnir. La leçon a été bien assimilée. Les obéis na souka, il y a obéis qui regarde juste na vapeur. D'accord, d'accord. Voilà, toujours fini caillé. Toujours, qui s'appelle juste quand moi m'indiquer parce que recette où on a besoin il y a soupe. Bitot. Ça sera juste maïs. Quel caca! Caca, nous avons dit que nous avons besoin. Voilà. Chaque Aristide, nous avons déjà 5 ça. Makemba, Mbisi. C'est un repas de midi, c'est ça? Ça, c'est un plat principal. Voilà. Comment je... À midi. À midi. Pour Makemba, le soir, ça ne va pas poser non, problème. Non, ça ne va pas poser parce que c'est un plat consistant. Bon, ça dépend aussi de l'organisme de, ça dépend de, l'organisme chacun, hein. De chacun. Et puis ça dépend, il y a moutou. Pour nous, on a un peu de moutou. Non, non, pas moutou, ce n'est pas vers 20h, 21h. Non, déjà, quand on est là, on a vu ce normal. Okay. Et puis, tu peux manger ça une petite quantité, ça va. Bien sûr, c'est consistant. Oui, c'est consistant. Oui, tu peux prendre même 2 morceaux, 3 morceaux. Osez-moi sauce mayo. Okay. Osez-moi. Mais ça se mange chaud. Ok, une autre précision. Ça, c'est mon chaud. C'est chaud. Pourquoi moi, soupe, moi, surtout, Mikolo, ma ligne, les autres, trop, ma boule, les obéta, mingi. Moi, soupe à montre. Il y a montre, voilà. Et ça, là, moi, bien. Ok. Alors, nos fidèles téléspectateurs, j'espère que vous avez eu votre carnet, votre cahier en train d'écrire les différentes étapes. Chef Aristide, Dobanda, qui n'a ma kemba, il y a mon besso. Là, makemba y a côté la thé quoi. Le chef a commencé par placer d'abord makemba na kati ya nzungu oyezala ki na mwa mayi ya moto, c'est ça? Et puis après on rajoute les différents légumes. On avait l'oignon, poivron vert, tomate crue, donc tomate ambuma. Et puis toye ko bakisa mbisi na biso. Une petite précision, le chef a dit bitoto oyo, ce n'est pas que osa ilaka mbisi okauka. Oyo ko sala pe viande na yo. Oui, c'est la pub. Hein, musuni mususu quoi, hormis mbisi ya okauka. Pour chepe makaku. Voilà. Mbisi na biso atchaki yango likolo, pourquoi? Parce qu'il voulait à ce que makemba et lemba, parce que ça makemba makasi d'orbit, hein, makemba et lemba po et permettre biso to li yango bien. On avait laissé 6 minutes. J'ai oublié un détail, le chef avait rajouté muscade, hay, atchepe hay na kati. On a laissé 6 minutes. Après 6 minutes, moni makembe changé couleur et comme jaune et comme pelant mangeable. Et puis après, c'est à la fin qu'il a rajouté la pâte d'arachide. Oh, ça là qui déjà mélange avec de l'eau froide. Comme toujours, la ciboulette au tobin à communément dembi. C'est après d'ailleurs que tiens juste pour garnir notre recette. Chef Aristide, je crois que nous avons moins 9 sur 10 nanga. 10 sur 10. Bravo nanga moko. Ouais. Alors, c'est bon déjà. Nazo, je suis comme ça là, quand il y a qu'au surveiller en haut, donc on balance ça pour éviter que Ezika. Ok. Ezika la montée, mais il faut pas qu'on surveille en haut parce que pas d'arachide là déjà dans mon huile, mais déjà il y a des mots. Déjà dans la huile. Alors, on va s'engager déjà dans huile au bas, comme déjà qu'au bout. Alors. Ah ouais, la zobalusa là, juste pour que les autres canamo ben, pour que ils y cattent. Et après, d'accord, les petites salades sont. Ok. Voilà. Check passeport.
La recette de ce jour, c'est du waouh. Mais je voudrais vous dire ça après, une fois que je déguste. Chef Aristide. Oui, maman. Au Kinda déjà kunato. Ou apprendre encore et pas grand-mère. Et pas grand-mère, maman. Pour tout, on a un yoka. Ou apparemment, on dirait au commune au pénal, on a quoi. Ouais, je suis Mukongo. Je suis Mukongo Moussakata. Ok. Ma mère, elle est Moussakata. Et puis mon père, elle est Mukongo. En tout cas, à partir de Karia Solo, on sait dire que c'est bien fait. Mais, tu vas juger après voilà. Dégustation. Permettez-moi d'abord de déguster. Et puis après, nous allons faire entrer notre invité du jour. Voilà. Chef Aristide, dis-moi un bon appétit. Bon appétit, maman Déborah. Merci. J'avais dit que j'avais de la salive dans la bouche. Alors, comprenez pourquoi. Namely Soué. C'est quand même chaud. Hein. Tu avais dit qu'on le mange chaud, mais. Non, si, qu'après, le lait, ma cassité. Makembelimbi pépère, Moussouni ça va, les goûts y est. En tout cas, félicitations, je vous avais promis, je vous avais dit, bon, mais la soie n'en a pas, mais essayez de refaire ça à votre manière. Quoi. Chef Aristide, on va faire appel à notre invité, le dégustateur du jour, Constantin Tambouépé, déjà venu à Ebisabi Soupé, si réellement, on a un solo, solo. Ou bien dans Zokosa. Constantin, bienvenue, il y a de l'espace pour toi ici. Merci. Bienvenue dans Cuisine Noire. Hein. Merci beaucoup. Et... J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Oui, mais c'est quand même la première fois. Ok. Bon, tu peux te déguster et nous dire si c'est bon, si c'est mangeable ou pas. Ok, moi je suis fan de foufou, mais quand même je peux essayer. Alors, ce okay. Que ça peut donner. À l'aise. En tout cas, mâche, finis, et puis tu vas nous dire quoi. Ça va, c'est bon. C'est bon, hein? Pour une entrée, c'est bon. Ok. En tout cas, félicitations, chef Aristide. Merci. La recette réussie. Merci beaucoup. Merci les amis, nos fidèles téléspectateurs de Cuisine One, je vous avais promis de passer un moment de pur bonheur. J'espère que ça vous a plu, cette recette. Vous à la maison, essayez également de refaire à votre manière. Envoyez-nous vos commentaires. Vous savez, nous avons une page YouTube, une page Facebook. Vous pouvez nous écrire et nous apporter vos différentes critiques également. Je vous retrouve très prochainement. Nous vous retrouvons très prochainement avec le même plaisir. Bye bye, bye. Ce programme vous a été offert par Bavaria.